Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprone. Alors, présentation à nouveau du kit de Scarabée Mirce Miniature. Donc, pour ceux qui veulent le découvrir à la fois en open box et sur une autre commande, vous pouvez aller chercher dans mes vidéos. Je fais la revue de cette figurine résine qui vient donc de Mirce Miniature, une marque anglaise, dans mes vidéos, en mode un peu open box découverte de kit. Et puis ensuite, j'en fais la revue parce que ça avait été l'occasion d'en faire une autre commande pour une Mutalite Avortex d'une armée Tozenson. Et bah, force est de constater que ce kit plaît assez, puisque un autre client m'a demandé d'en refaire, enfin de retravailler encore ce kit pour en faire une sorte de gros titan comme on voit dans les illustrations Roi des Tombes. Et donc faire un titan scarabée à partir de ce kit. Alors après concept, après un petit dessin de ma part que vous pouvez également retrouver en timelapse sur la chaîne, avec une petite vidéo un peu particulière puisque bah, je dessine pour une fois, bah, on a décidé de partir sur un gros scarabée comme ça là, basé un peu sur les illustrations qu'il y avait eu dans le, je crois que c'était le jeu vidéo Warhammer Online. Il y avait eu des artworks qui étaient sortis, un seul artwork sur un gros scarabée. Et on s'en est réinspiré pour le réadapter à cette figurine. Et donc j'ai recréé ce que j'ai pu dans le concept. On voulait, le client et moi, donc ouvrir les ailes et faire une sorte bah, de composition avec les élytres, les ailes et puis l'abdomen fermé. Et qu'on retrouve un peu le côté assemblage mort-vivant des Rois des Tombes. Donc que ça soit certes un scarabée qui est certainement basé sur une créature qui a existé à un moment donné, mais que les Rois des Tombes ont ranimé avec un système de liaison d'âme et de pouvoir magique, et d'où les petits inserts avec des crânes en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette figurine? Donc, déjà, je l'ai ragrandie, on va dire, presque de moitié, parce que normalement, en fait, bah, comme d'habitude, c'est un peu pareil que sur l'autre commande. Vous voyez les cercles qui sont là, alors on voit presque pas à cause des couleurs de matière à la caméra, mais la résine originale est cette résine un peu grise jaunasse là. Et ce que j'ai fait en sculpture, c'est tout ce qui est gris clair, presque blanc. Évidemment, et puis évidemment la résine verte ici. Donc en fait, les pattes arrière ici sont normalement rassemblées à moitié au centre, là, collées ensemble sur cette partie d'abdomen, et cet abdomen-là vient ici. Donc du coup, ça, le scarabée est normalement, on va dire, gros comme ça. Et puis pareil ici au niveau de l'abdomen, la tête vient se coller ici. Donc j'ai ragrandi tout ça d'environ 3 sections ici. J'ai ragrandi également le dos, qui forme en fait les élytres de base qui sont séparés sur la figurine d'origine. Moi j'ai rajouté tout ça là, et puis j'ai rebouché les élytres de base comme si on recréait un abdomen dur d'une seule pièce. J'ai resculpté donc bah, bien sûr la texture qui vient normalement refaire la sculpture originale d'une sorte de chitine dure, d'une carapace dure. Ici, on a quelque chose de très très grumeleux, avec même des petites pointes qui sortent de la texture et qui forment, je pense que d'un point de vue anatomie et insecte, ça doit être une sorte de céphalothorax ou un truc comme ça, que j'ai ragrandi de moitié, avec un insert crâne sur le dessus, resculpté, dont vous pourrez voir la vidéo d'ailleurs. Ensuite, bah, c'est de la tige pour installer les éléments. Toutes les épaules ont été recréées ici, parce que normalement ces bras-là se collent vraiment en dessous ici. Et puis il y a une troisième paire de pattes qui a été sculptée, donc la grande ici est entièrement sculptée. Il n'y a que ces deux paires-là de pattes qui sont d'origine. Je les ai réinstallées un peu plus loin, donc par exemple les pattes resculptées sont à l'emplacement des grosses pinces. Et puis après, bah, c'était de la sculpture de texture, beaucoup, pour recomposer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait le gros travail? Bah, il y a eu la création des élytres, là. En fait, j'ai posé une sorte d'aluminium ici, pour empêcher la pâte de coller. J'ai resculpté les élytres par-dessus l'abdomen, ce qui fait que si on les détachait, parce que là, elles sont fixées, si on les détachait pour les poser là, elles pourraient complètement se fermer. Et puis ensuite, bah, une fois que c'était sec, j'ai détaché la coque, j'ai reponcé par en dessous, j'ai refait les textures, et puis j'ai refait un peu de détails ici. Donc on voit les espèces d'inserts
qui serait bon, de, par exemple, à la peinture, mon client décidera, mais de peindre en métallique. Comme si bah, les rois des tombes avaient fait une sorte d'assemblage de trucs, quoi. Ensuite, en dessous, bah, il y a deux grosses ailes, plutôt pareilles, hein, en dur, métallique, comme sur mon dessin qui serait peint en doré, hein, si j'avais à le peindre. Et puis là, ici, c'est des inserts de crâne plastique mis en forme à l'intérieur d'un cartouche en Magic Sculpt, comme les cartouches qu'on peut retrouver sur les gravures égyptiennes. Et puis il y a un petit cartouche également ici. Et après, bah, la finition, c'était de la bande de résine verte que j'ai utilisée bah, pour sa souplesse, pour refaire comme s'il y avait des bandes de momie, de momification prises un peu partout à l'intérieur du scarabée. Donc voilà pour ce gros truc. Les élites sont donc installées semi-ouvertes. Et puis après, bah, on imagine bien ce truc sur le champ de bataille en train de vibrer et puis en train de défoncer tout avec ses grosses pinces. Surtout s'il y a du mort-vivant en face, je pense que ça peut bien bien avoiner. Enfin bref, c'était encore une figurine qui était intéressante à travailler parce que bah, du coup, c'est quand même des gros kits. Et puis la résine est agréable, hein. Le Mirce Miniature, c'est une bonne marque pour tout ce qui est grosse bestiole. Ils ont une gamme qui est vraiment sympa. Et puis bah là, voilà, ouais. J'espère avoir réussi le challenge de ce gros scarabée qui n'existait pas dans la gamme de Games Workshop. À bientôt pour une autre vidéo. Je vous le laisse découvrir en petite vidéo tournante juste à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, puis surtout à vous abonner et à me communiquer bah, vos ressentiments dans les commentaires pour que je puisse vous répondre en direct. À bientôt pour d'autres tutos vidéo et puis d'autres reviews figurines.